Avant que la vidéo commence, comme d'habitude, je fais une publicité monstrueuse pour mon ami Trillionaire Prono, tout simplement parce que il m'a fait gagner 105 euros sur des paris sportifs. Et là, c'était sur le tennis. Sachez que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Il faut faire attention et que rien n'est sûr, d'accord? Vous pouvez prendre le risque de gagner comme vous prenez le risque de perdre. Je mets son Snapchat juste ici, vous pouvez le rajouter. La première semaine est gratuite et après, libre à vous de faire ce que vous voulez. Donc là les gars, nous allons encaisser le ticket gagnant de Trillionnaire Prono. Oh, bon courage. Comme vous pouvez le voir, voilà. Bah c'est que des billets de 10, hein. Mais c'est 100 euros. 1150 euros, ben. C'est pour montrer que le ticket est gagnant. Salut Internet, c'est Kamoff. Je suis pour une fois en compagnie du petit Valentine's. Je mets son Snapchat juste en bas, vous pouvez le rajouter, allez-y. Dans cette vidéo, nous allons faire une expérience sociale. J'ai vu des gens qui étaient un peu bourrés à la merci de tout le monde. Je me suis donc fait passer pour un mec bourré, en train de dormir avec une bouteille à la main, pour voir la réaction des gens, s'ils étaient plus prêts à m'aider ou s'ils étaient vraiment plus prêts à me voler. Il y a de bonnes actions comme de mauvaises. Je vous laisse regarder la vidéo dans son intégralité et on se retrouve à la fin pour une conclusion. Ciao. Voilà les gars, donc là je viens d'arriver dans un endroit, je suis à proximité de bus, à proximité de banc. Donc j'ai pris une bouteille d'alcool qui est censée être entamée, hein. Sur moi j'ai ma sacoche, j'ai des affaires personnelles. Je vais me poser dans des arrêts de bus, sur des bancs, là où il y a du passage, là où il y a des jeunes qui passent. Et je vais voir si les gens sont tentés à profiter du fait que je sois sous pour me voler, pour se moquer de moi ou pour n'importe quoi. Voilà, c'est vraiment une expérience sociale que je voulais faire depuis longtemps. Du moment où vous êtes sous, que vous n'êtes pas dans votre état normal, ben, y a des gens qui peuvent vous aider comme des gens qui peuvent profiter de vous. Mais bon, ça on le sait pas encore parce qu'on n'a pas encore tourné la vidéo. Là on y va, on va se poser dans des arrêts et puis on continue la vidéo. Monsieur, vous allez bien? On va rester ici là, tout ce que vous faites. Lâchez ça. Vous allez bien monsieur? Un peu trop bu. Vous allez bien monsieur, vous voulez que je vous raccompagne quelque part? Vous habitez où? Là, allez-y, venez, je vous raccompagne. Allez, vous vous levez là, faut pas rester ici là, c'est dangereux en plus. Allez-y. Oh non. Oh, vous voulez que j'appelle une ambulance? Mais elle est où votre maison? Dites-moi. Là-bas. Où ça là-bas, vous voulez? Où ça? Quelle adresse? Tenez droit. On va le laisser ici. Hein. Allez-y. C'est une caméra cachée. Non. Merci beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui réagissent comme toi, merci. Oui, normal, j'ai vu comme ça, là, j'allais chez ma mère, là, vous avez vu comme en ça. En plus, là. Tu es jeune et tout, c'est bien, merci. C'est pas vrai, je bois pas d'alcool. Hein. Vous attendez le bus? Vous appelez comment? Vous habitez où? Je vais vous ramener, je peux pas vous laisser dans cet état. C'est bon. Monsieur, je peux pas vous laisser comme ça, vous avez bu. J'appelle les pompiers. Les pompiers, parce que là. S'il vous plaît, n'appelez pas les pompiers. Ouais. Je suis pas sous, il y a une caméra, elle est juste là-bas, regarde. Derrière l'arbre, là. Tu vois? Ah ouais, d'accord. Ah, y a des gens qui passent, qui crient, mais y a personne qui t'aide. Et toi, tu viens de m'aider, donc franchement, merci beaucoup.
Suis-le, vite, cavale derrière. C'est lui là? Oui, c'est lui, c'est lui. Tu es sûr que c'est lui? Oui, c'est lui. Vas-y, viens, on y va, deux, deux. Viens, on y va, viens. Bonjour. Bonjour. Ça y est, tu réalises là? Ah ouais, tu réalises. Dis-moi que tu réalises. Tu peux me ramener mes affaires s'il te plaît, parce que sinon je vais les prendre de force, j'ai pas envie. Merci. Voilà. À cause de toi, j'ai couru pendant 100 mètres là. Mes chaussures s'il te plaît. Je vais te jeter par terre à toi, frère. C'est ta voiture ça? Voilà. Tu as vu que j'étais sous, tu as profité, c'est quoi le problème? Je sais pas, moi j'ai vu là-bas. Tu as vu là-bas quoi? J'ai vu que c'était pas bien, je me suis dit que je vais. Mais tu faisais quoi là-bas tout seul déjà? Bien, je fumais un pétard tranquille. Là, je suis content de voir que ça c'est ta voiture, tu vois. Je suis content parce que j'ai envie de faire du mal à ta voiture. Tu vas faire quoi? Je vais faire quoi? Ta voiture, tu vas voir. Non, c'est pas ce que je vais faire, c'est ce qu'on va faire à ta voiture. Moi dans ma voiture, j'ai un truc pour démonter les roues. Ouais. C'est quoi? Tu m'as volé mes chaussures toi. Tu m'as volé mes chaussures, c'est ce qui me sert de marcher pour marcher. Moi, je vais te voler tes roues. Je vais te prendre tes roues. Mais ouais, je m'en fous. Les gens ils peuvent dire que tu touches pas. Toi, ne me touche pas à moi déjà. Parce que sinon ça va aller très loin. Donc ne me fais même plus le doigt. Je touche pas ma voiture, tu sais. Ouais, je touche pas ta voiture. Toi, tu me touches mes chaussures, tu me touches ma sacoche, tu me touches mon bob, tu me prends ma boisson. Et tu me dis touche pas mes roues. Non, je te laisse repartir là. Pardon, merci monsieur de m'avoir volé. Allez-y monsieur. Rentrez dans votre voiture, monsieur, allez-y. Parfait. Prends pour un con, frère, tu as vu ce que tu me dis? Si j'ai ce qu'il faut pour te démonter les roues, je te démonte les quatre. Même pas une, les quatre je te prends. Pourquoi tu me prends mes chaussures? T'as pas de sous, c'est quoi ton délire? T'as pas de chaussures chez toi? Tu voulais me prendre mon caleçon? T'as pas de caleçon? Tu te prêtes le caleçon? Mais je te prête le caleçon si tu veux. Tu vas me prendre les chaussures, tu vas me faire quoi? Tu vas les revendre? En plus c'est même pas ma taille. Rentre chez toi, tranquille, touche pas ma voiture parce que je vais m'énerver sinon. Nous, je crois que tu nous connais pas. On fait des vidéos sur internet, on a assez, tu vois. Maintenant, je peux le dire, on fait des millions de vues sur internet. Bah, par contre, arrête de filmer. Ça, c'est mon. Non, ça, c'est mon travail. Fais encore le malin, je te jure, je te pète les 4 carreaux. Je te les pète, les 4. Je te pète les 4, le rétro, je te pète tout, le pare-brise, je te pète tout. Essaye de partir maintenant, vas-y, essaye de partir. Ouais, vas-y, mais ne pars pas. Ne pars pas, frère. Prends le cric rouge. Et ouais, et il y a des clés à pipe. Tu vois les clés à pipe? Prends-moi les, s'il te plaît. Prends les 3. Il y en a 3, prends-moi les normes, c'est bon. Allez, vas-y, je l'attends, je reste avec toi. Toi, tu es un fou, frère, ce que tu dis. Toi, tu es malade. Tu es un fada ou quoi? C'est bon. J'ai tout ce qu'il faut. Voilà. Tiens. Merci, Valentin. Donc là, ce qu'on va faire, je vais te laisser la voiture sur cale. Écoute, ça va, c'est bon, je me suis emporté tout à l'heure, ça sert à rien. Fais pas ça, ça sert à rien, il faut que j'en tire moi et tout. Bah, gros, désolé. Je suis vraiment. Tu sais quoi, honnêtement? Je m'en. Non mais alors complètement, ça, tu m'en bats les couilles. Tu es pas obligé de faire ça, ça va. Mais c'est quoi alors? Je t'ai rendu. Mais c'est trop facile, frérot, la prochaine fois, au moins tu recommenceras pas. C'est trop facile, tu me dis ouais, je sais pas quoi. Qu'est-ce que j'en sais, moi, la prochaine fois, tu le fais pas. Là, au moins tu comprends, frère. Et la prochaine fois, t'en sais un mec qui te met les mains dessus. C'est quoi? Tu sais ce que tu devrais faire? Tu devrais m'aider à trouver les cales pour ta voiture. Parce que sinon, je la laisse sur les disques. Tu jures, je la laisse sur les disques. Bon, tiens, mais il y a des pierres là. Oui, il y a des pierres là. Ah, bah, que c'est un SDF, il a plus d'affaires et toi tu lui prends tout comme ça. Le mec se réveille, il a plus d'affaires, il avait son téléphone, il avait tout. Heureusement que j'ai mis le téléphone dans les parce que sinon tu me l'aurais pris vu que tu m'as fait les poches aussi. Parce qu'on te voit dans la caméra me faire les poches. Voilà, zéro pitié, frère. Voilà. Zéro pitié. On se parle à quel don? Arrière? Avant? Hein? Tu vas me retrouver? T'as pas besoin de me chercher, je suis devant toi. Pourquoi tu veux me trouver? Je suis là. Je vais me trouver. Le mec est devant moi, il me dit ah, je vais te retrouver. Je suis là. Tu veux me retrouver contre quoi? Tu veux faire quoi? Comme tu pars loin. Et... C'est quoi? Je vais être gentil, je vais pas t'enlever les 4, tu as raison. Tu m'as enlevé 2 chaussures? Je vais t'enlever 2 roues. Tiens, tu as raison. Je pensais jamais faire ça dans ma vie, je te jure. Enlever des roues à quelqu'un. Alors elle le fait pas alors. Eh ouais, maintenant c'est trop tard. Qu'est-ce que je casse? Ben fallait pas me voler. À la base, je devais lui enlever les 4 roues. Après, je voulais enlever que 2. Sauf que la celle d'arrière, il a du cul. Elle est coincée comme pas possible, elle s'enlève pas. Donc du coup, je vais enlever que celle de l'avant. Voilà. Et tu sais quoi? Je vais partir avec. Moi, je vais faire comme toi. Quoi? Je vais partir avec. Qu'est-ce que tu dis? Ah oui, tu crois que je vais te la laisser? C'est trop facile. Qu'est-ce que tu dis? Mais tu es malade, toi. Je pars avec. C'est marron. Non, je te fais du mal à marron. Comment c'est ta roue? C'est marron. Toi, tout à l'heure, c'était tes chaussures. Mes chaussures, c'était tes chaussures. Bah, ta roue, c'est marron. C'est pas grave. Je prends mes affaires, je prends les outils, je me casse. Là, on est quitte. Complètement. Je te laisse dans la merde comme ça sans rien. Comme toi, tu m'aurais laissé dans la merde comme ça sans rien. Voilà. Ciao. Affaire des doigts à ta soeur. Hey, ciao. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Il est 6h du matin chez nous, je vous mens pas. Il est 6h15 du matin, on est complètement déchiré. J'espère que cette vidéo vous a plu, comme vous avez pu le voir dans la vidéo.
Il y a des réactions qui sont bonnes, il y a eu deux réactions assez bonnes. Et il y a eu une réaction qui m'a quand même déçu et je m'y attendais un peu. Il y a toujours des gens qui profiteront de votre faiblesse pour vous voler votre sac, vous voler vos téléphones, vos affaires personnelles. Et des fois même c'est arrivé qu'il y a des petites ou des femmes qui se font violer. Si vous devez boire tout ça, ne restez pas sur des lieux publics, ne restez pas dans des endroits où vous pouvez être à la merci de tout le monde. Pour ce qui nous concerne, sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous rajouter sur Snapchat, c'est Camoff, C-A-M-O-F-F. Nous avons également un site internet sur lequel vous pouvez vous rendre pour porter notre marque, si elle vous plaît, si vous avez envie de la porter, www.futuratech.com. Valentin, c'est quoi le site ? www.futuratech.com. Je vous laisse aller faire un tour et passer commande si vous en avez envie. Je pense que certaines personnes seront touchées par cette vidéo et peut-être même que certaines seront concernées. C'est pour cela que si vous êtes dépendant à l'alcool, il y a des solutions. Je vous mets un numéro vert qui existe, vous pouvez appeler pour vaincre la dépendance à l'alcool, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. On est à l'heure d'aujourd'hui 260 000 personnes, c'est quelque chose d'énorme. Rendez-vous mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. En attendant, faites attention à vous, c'était Camoff, à la prochaine, ciao. Il y a un petit chat bloqué sur le capot. Attendez, il est carrément, il est vraiment en dessous le capot quoi. Et là, il n'y a que vous, un dimanche, il n'y a que vous qui pouvez nous faire quelque chose. Que les pompiers ne peuvent rien faire, la police ne peut rien faire, la SPA ne peut rien faire. Quelle arrivée à faire sur On a réussi à trouver la personne, on a réussi à trouver ses coordonnées. Là, elle est chez elle, donc elle descend. On a une chance de cocu. Oh, oh, oh Tito. Ah, vous avez trouvé le chien en plus. C'est exprès, c'est peut-être pour ça qu'il non, est venu. J'achète pour les animaux. Tiens. On va fermer, peut-être qu'il va ressortir. Non, ferme, peut-être qu'il va sortir parce qu'il nous voit, il a peur. Il faut bloguer ça. Ah, attendez. Attention, les gars, il passe par en dessous. Il est en train de descendre. Non, déjà, le chat, il doit avoir peur. Non, il veut même pas. Ces animaux. Eh ouais. Ah, essaye de me faire sortir la voiture, je suis coincé. Vous arrivez à le soulever? Attends. Alors, mon nounou. Bonjour, toi. Il est bon, mon chat, là, je le prends en photo.